Salut à tous et à toutes, c'est Sams et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte sur Dragon Ball Z Battle of Z. Ce que vous venez de voir est certainement la seule chose d'intéressante du jeu. Donc je vous avais déjà fait la preview quand la démo était sortie. Il n'y a pas de sauvegarde, ok, bien évidemment, pas de soucis. J'avais déjà fait donc la preview quand la démo était sortie sur le PlayStation Store européen. Donc cette fois-ci, j'ai reçu le jeu pour en faire un test. Je vous ferai un test bien évidemment un peu plus tard. En attendant, je me suis dit, pourquoi pas commencer par une petite vidéo découverte pour utiliser les fonctionnalités réseau. Vous devez vous connecter au PlayStation Network. Vous connectez, bah oui. Pourquoi tu ne te connecterais pas? Vous avez la connexion et vous connectez, vous utilisez le VSN. C'est un autre logiciel qui est en cours d'exécution, quittez le programme. Attention, non, non. D'accord, continuez en mode en ligne, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Donc petite vidéo découverte donc sur. D'accord, donc on va très très rapidement changer ça. Je sais qu'il y a la VO qui est disponible, donc on va aller dans les options. Hop, confirmer l'invitation. Non, j'ai pas confirmé l'invitation. Paramètres. Langue des dialogues. En japonais. Merci, heureusement. Hein. C'est un des points positifs du jeu. Quand je vous avais fait la démo, bien évidemment, je l'ai un petit peu beaucoup descendu. Parce que c'était. Je pense pas que c'était à tort. Hein. Je pense vraiment pas que c'était à tort. Je pense vraiment que le jeu était. Enfin, la démo en tout cas était bidon. Donc là, à ce stade encore, j'ai même pas encore accès au combat par équipe et à la coopération. Donc je suis obligé de m'attaquer directement au solo. Pourquoi pas. Alors éventuellement ce que je vais peut-être faire, puisque lors de la vidéo découverte, la vidéo prévue, pardonnez-moi, reprenez les 4 premières missions du solo. Donc peut-être que je vais vous couper les 4 premières missions histoire d'avoir un peu plus de contenu pour la vidéo. Voilà, pour vous montrer tout ce qui va se passer après les 4 premières missions. Donc on se retrouve, bon voilà, on va faire ça, on se retrouve juste après la mission numéro 4 pour continuer, donc pour continuer tout simplement. A tout à l'heure les copains. Et donc on est de retour donc pour la suite de la vidéo découverte. Donc on va pouvoir attaquer la mission 5, 7 et 40. Donc apparemment, donc je sais pas trop comment ils ont foutu leur truc. On saute des caps. C'est assez bizarre. Saga Saiyan. Une autre ère. Je sais pas, c'est assez bizarre pour le coup. Donc voilà, en tout cas, on va pouvoir continuer. Donc alors si vous souhaitez voir les missions 1, 2, 3, 4, je vous redirige vers ma vidéo preview d'il y a quelques semaines. Donc que ce soit sur YouTube ou Dailymotion, peu importe. Et donc voilà, du coup on va pouvoir continuer, en tout cas, pour éviter de faire une vidéo similaire, on va dire. Avec le même contenu, voilà, parce que c'était pas, j'estime que c'était pas super intéressant à vous montrer, donc c'est pour ça que j'ai préféré vraiment faire les 4 premières missions en offline, histoire de vous montrer quelque chose d'un peu plus neuf, et concrètement, hein, je vous le dis en toute honnêteté, mon avis n'a pas changé, hein. Mon avis est toujours aussi radical, le jeu est vraiment pas terrible. Et vraiment pas terrible. Enfin, scénaristiquement, ça a pas l'air du tout. Ça a vraiment pas l'air fou. C'est bizarre. Je sais pas vraiment ce qu'ils ont voulu faire avec ce DBZ. Hein. Je vais quand même prendre le temps quand même de terminer le mode histoire avant de faire le test. J'ai pas l'impression que ça va traîner vraiment en longueur. À voir. À voir ce que ça va donner. Mais Je suis vraiment pas du tout optimiste. Hop. Là normalement il y a quelqu'un qui va le rebalancer. Non, il l'a pas fait. Allez, balance-moi ça. Vous avez une caméra aussi, c'est bordélique. Là je me suis fait défoncer. Je sais même pas du tout comment on se protège, pour le coup je dis en toute honnêteté, c'est la vérité. Euh...
C'est que c'est... Ah, Vegeta, excellent. Ich, bim, coup de tête dans la tête. Alors je pense que c'est ça la touche de protection. Non, même pas. D'accord, ça c'était juste pour se s'auto-soigner apparemment. Je sais même pas avec quoi on se protège. Ah, c'est avec ça, c'est bon, avec Alain. D'accord. Parce que depuis le début du jeu, je vous dis en toute honnêteté la vérité, hein, j'ai pas du tout pensé une seule fois à me protéger. Je devrais peut-être. Parfois. Ta-na-na-na-na. Voilà, maintenant faut voler toute la map. Et le mec, le Nappa, il se focus que sur, uniquement sur moi. Ah merde, je suis mort. Je me suis même pas rendu compte. Alors comment ça se passe quand on est mort? Je vais essayer. D'accord. Donc, on recommence. Où s'arrêter le niveau? Ah, Vegeta maintenant qui se bat avec lui. Ah oui. Kamehameha! Oh là là, le Kamehameha! Il l'a refait quasiment toute sa vie, quoi. La moitié. Bon, je vais le défoncer, c'est pas possible. Putain, mais viens! Allez, viens là. Allez, un autre Kamehameha. Et t'es mort. Vegeta, il est fini. Le truc est pas du tout crédible, quoi. Nappa qui meurt avant... avant Nappa. Enfin, qui se fait battre, en tout cas, avant Nappa. C'est ridicule. Ce jeu Dragon Ball Z est ridicule. C'était voilà, c'était ça pour se soigner. On peut se soigner, quoi. En plein combat, on peut se soigner dans DBZ. Ça aussi, c'est nouveau. Par contre, j'aurais bien besoin de soins aussi de mes alliés. Regardez-moi la caméra. C'est immonde. C'est immonde. Allez, de toute façon, c'est pas grave si on perd. Y a pas de soucis, on reprendra où on en s'est arrêté. Donc, on s'en fout. C'est n'importe quoi. Ce jeu, c'est du grand n'importe quoi. Allez. On va te faire un petit tir. On va se rapprocher, on va lui faire un autre caméra lui aussi. On devrait peut-être bien percer sa défense aussi. Quand même, avant. Allez, rapproche-toi de lui. Allez. Putain. Voilà, c'est terminé. C'est du grand n'importe quoi. Mission réussie. Je suis vraiment hyper déçu. Hein. Franchement, je suis. Enfin, non, je peux pas être déçu puisque je savais que ça allait être pas bien. Mais demande de Genki encore. À chaque fin de combat, il demande ça, quoi. Je me demande. Le truc, c'est le pire, c'est que ça semble rien apporter d'intéressant. Enfin bon. Allez, 3 secondes. Franchement, le seul truc qui est sympa pour le moment dans le jeu, c'est la cinématique d'intro. C'est triste à dire. D'ailleurs, on va parler d'autre chose. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont vu le film Dragon Ball Z Battle of Gods, pardonnez-moi,
Est-ce que d'autres personnes ont regardé le film de bah, le film qui est sorti il y a pas très très longtemps en Europe? Je sais même pas s'il est sorti en Europe. En tout cas, il est disponible sur les sites de streaming. Voilà. Donc, est-ce que certains d'entre vous l'ont vu? Et surtout, si vous l'avez vu, est-ce que qu'est-ce que vous en avez pensé? Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Là, on peut changer les bonhommes apparemment. Non, on peut pas changer de bonhomme. Je peux prendre un Cyberman avec Krillin. Alors attends. Là, je vais jouer avec les méchants alors apparemment. Je vais prendre plutôt Raditz. Alors. À contrôler, tant qu'à faire. Allez, pour le quatrième, je prends qui? Il va y avoir Donapa! C'est n'importe quoi! Attends, il n'y a pas moyen d'avoir Vegeta ou je sais pas? Non? C'est ridicule! C'est ridicule! Non, c'est pas possible! Franchement, si le combat se lance. Ah non, mais c'est incroyable! Le combat se lance avec deux Nappa! Alors qu'on est quand même dans le mode histoire. Ce jeu est un grand bordel. Je le dis, j'assume totalement. Hein, ça, ce jeu est un grand bordel. En termes de trame scénaristique, ça a l'air d'être du grand n'importe quoi. Un puissant ennemi. D'accord. Oh, le truc pas crédible! J'aurais dû prendre même deux Raditz. Si j'aurais voulu. Et donc oui, donc du coup, qu'est-ce que vous avez pensé du film d'animation qui est sorti donc récemment, on va dire. Pour ma part, je l'ai vraiment trouvé décevant. Alors il y en a beaucoup qui disent oui, mais Akira Toriyama est de base quelqu'un qui aime beaucoup l'humour, etc., etc. Sincèrement, toujours est-il que j'ai quand même souvenir des OAV, etc., etc., qui étaient quand même sympathiques, hein. Donc, je vais pas vous citer le nom des OAV que j'avais aimé à l'époque. Il y en avait quand même beaucoup qui étaient vachement classe, même les films, il y avait pas mal de vachement bien. Donc, sincèrement, en termes d'action, il y avait que dalle quoi dans ce film, alors que c'est ce qu'on attendait principalement. Donc franchement, je sais pas, moi personnellement, en tout cas, j'ai vraiment pas aimé. Pourtant, il y avait vraiment de quoi faire, un combat hyper épique contre Birasu. Là, je fais n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout un peu. D'accord, donc lui, il a pas de truc de soin, c'est pas grave. Ah, il m'a attaqué par derrière. Enfoiré de Son Goku. À terre. Cyberman est à terre, on s'en fout. On va s'attaquer un peu à Piccolo. Ah. Tu es plutôt doué. Il aurait peut-être dû dire, vous êtes plutôt doué, puisque c'est des combats plusieurs contre plusieurs. Ma conco sapo. Même pas. C'est nul. Ah si, quand même, il a quand même sorti. Mais qu'est-ce que c'était mal fait. Je suis désolé, alors le but avec la vidéo, c'est pas de descendre le jeu, bien évidemment. Mais voilà, oh là. Alors je pense que je vais quand même faire un combat encore après. Parce que je pense que le combat d'après, ça va être le combat contre Vegeta en singe. Donc je pense que je vais quand même faire le combat d'après, puis on va s'arrêter là. Hein. Parce que sincèrement, ça sert strictement à rien d'essayer de continuer. Je vais quand même rester focus sur Petit Cœur. Oh là là,
Ah, et puis il est coincé dans le truc. Il essaye même pas de se dépêtrer de là. C'est n'importe quoi. J'espère vraiment, j'ai hâte vraiment, enfin je sais même pas si ça arrivera un jour de revoir un jeu Dragon Ball au niveau quoi, au niveau de ce qu'on peut espérer. Parce que franchement c'est vraiment décevant. Alors visuellement ça va, c'est correct, ça passe quand même. Hein. Les persos sont vachement bien modélisés quand même. Un petit sachet de ding agréable. Mais le reste en demande de Genki encore. Bon, ça va aller vite, y'en a pas beaucoup. Allez. Allez, on termine. Voilà. Et la musique, et la même musique qui se relance. Encore et encore. Rang S. Donc tous les persos ont leur propre niveau d'expérience, terrain débloqué, combat par équipe. Cool. Donc j'espère qu'on va affronter Vegeta en gorille. Une mauvaise récolte. Donc non, toujours pas visiblement, puisque je peux toujours contrôler eux. Ah, je peux prendre Son Goku. Oh, t'as encore plus n'importe quoi. Je peux prendre Son Goku et jouer avec et mes alliés et faire en sorte que mes alliés soient Raditz et compagnie. C'est un grand bordel. Alors on va le faire, hein, juste pour décrédibiliser totalement le truc. Et on va quand même garder Petit Cœur, parce que Krillin, pardonnez-moi, parce que j'aime bien Krillin. Et dire que je croyais qu'il travaillait. Mais qu'est-ce qu'il fait? Trunk ne devient pas comme lui. Donc je pense qu'elle parle de Vegeta. Il arrive aussi que vous souhaitiez combattre sans alliés. Si c'est le cas, appuyez simplement sur la flèche de gauche. Il arrive qu'en combat vous puissiez. Je vais entendre la suite. Une mauvaise récolte. Donc on est toujours dans la même zone de combat. J'ai un allié Raditz quoi. J'aurais pu avoir un allié Nappa aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils bougent même pas les mecs. Ça va vraiment être pété là. Renfort ennemi. Mais là, mais c'est nul. Renfort ennemi encore. Chaud. C'est vraiment pété. Oh là là. Renfort encore ennemi, évidemment. Il va y avoir combien des psys comme ça là? Je suis quand même vraiment curieux d'avancer quand même dans le jeu. Pour voir comment tout va se débloquer après. Avec les freezers, Cell et compagnie. Ah
Alors, re les copains, donc j'ai coupé la mission d'avant, hein, parce qu'elle était totalement inintéressante. Il fallait que je batte 100 Saeba Men, donc c'était pas vraiment intéressant. Du coup, on se retrouve donc pour la suite de la mission, tout simplement. En fait, ici, si vous voulez, il y a des sortes de scénarios alternatifs, pas forcément hyper intéressants pour le coup, et pas du tout réalistes, puisqu'on peut prendre des nappas et avec des et les combiner avec l'équipe de Son Goku, etc., etc. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Donc voilà, donc du coup j'ai fait sauter la mission donc où je vais la mission numéro 40 où c'était donc où je vais affronter donc 100 Cybermen, éliminer 100 Cybermen pour vraiment poursuivre la vidéo découverte uniquement sur la trame principale parce que c'est pas forcément super c'était pas agréable à voir, et c'était chiant limite. D'accord. Où est Vegeta? Il est là-bas. Il est parti hyper loin. On esquive. D'accord. Ah, il y a Gon qui vient de me réveiller. Merci, petit. Merci, fiston. Et autre chose. À quelle époque avez-vous connu Dragon Ball Z? Est-ce que vous connaissez depuis la génération Club Dorothée, entre guillemets? Ou est-ce que vous avez découvert ça beaucoup plus tard finalement? Ah, il a esquivé, il a bien. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé. Hein, même si. Attention, ah, il va se transformer, j'imagine. Baka! Voilà, il se transforme. Fugagaga. C'est Yugataga. C'est n'importe quoi. Alors, comment ça va se présenter ce type de combat? Donc ils ont dit qu'il faut s'attaquer aux membres avant de l'attaquer au torse. Ça a l'air d'être un grand bordel. Allez, c'est le moment. Huch, il faut l'attaquer. Kamehameha! Ah, c'est du bourrinage, hein, en toute honnêteté. Uniquement du bourrinage. Où il est? Ah merde, je suis au sol. Est-ce que quelqu'un va venir me sauver? Non. C'est pas grave. De toute façon, on peut perdre, y a pas de souci. Hop, on va passer au bras gauche. On va rester focusé sur le bras gauche. À peine j'arrive et le machin il m'éjecte. Allez. Allez. Le bras gauche est presque
mort, enfin presque mort. C'est n'importe quoi. Je me fais éjecter alors que j'étais derrière lui. Enfin bon. Encore un caméra. Tête. Bras droit. On va s'attaquer au bras droit maintenant. Allez hop, caméra sur son bras. En plus, la hitbox est même pas précise, hein. Je sais pas si vous avez fait attention. D'accord. Ah bah voilà. Il est terminé. C'était du grand n'importe quoi. Et après? Donc on va quand même voir, j'espère qu'on va quand même avoir droit à une petite cinématique sympathique. Parce que depuis le début c'est vraiment pas. C'est vraiment pas fou. C'est vraiment vraiment pas fou. Et dans tous les cas on va s'arrêter juste après. Même pas. C'est du grand n'importe quoi. Donc voilà, dans tous les cas, je pense qu'on va. Personnage débloqué. On a quand même débloqué Vegeta. Et on a débloqué le nouvel arc, donc avec l'arc de Freezer. Ça a l'air d'avancer super vite, ça a vraiment pas l'air fou. Et donc voilà, donc je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce. Pour une petite vidéo découverte, je pense que je vous en ai montré pas mal. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo découverte. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé via les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à passer sur JeCapt comme d'habitude, bien évidemment. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Le jeu, je vous le déconseille bien évidemment. C'est pas fou. Donc la prochaine vidéo sera certainement la vidéo test où je vous dirai un peu plus ce qu'il en est concrètement. Mais voilà, à l'heure actuelle, je vous déconseille très largement le jeu. Il se tapera une très mauvaise note certainement sur le site. Et quant à moi, passez une bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, bon appétit, peu importe. Et à la prochaine. Ciao, 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 ciao.